Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la 30e journée mondiale du malade a été célébrée ce vendredi 11 février. En Côte d'Ivoire, une conférence sur le thème « La foi en Jésus-Christ et la santé naturelle » selon cette idée a eu lieu à la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport de Borgo dans le diocèse de Grand Bassam. Ce cadre d'échange et de partage a été animé par le père Francis Barbé du diocèse de San Pedro en présence du curé de la dite paroisse, le père Yedou Lampé et du peuple de Dieu. Le point dans un instant. Et puis, la ville de Brest, en France, a été choisie pour recevoir du 9 au 11 février 2022 un sommet international dédié à la protection de l'océan, One Ocean Summit. Plusieurs engagements y ont été pris pour la protection des océans, notamment afin de réduire la pollution plastique. Le vendredi 11 février, les fidèles catholiques de la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport de Port-Boué dans le diocèse de Grand Bassam ont eu droit à une conférence sur le thème « La foi en Jésus-Christ et la santé naturelle » selon Sainte Idelgarde. Elle s'est tenue en présence des pères Yedo Latlambé, curé de la dite paroisse, et Francis Barbé du diocèse de San Pedro, conférencier du jour. Reportage Paul-Boris Anno, Morel Poti. Malgré l'heure indiquée par le père curé Yedo Latlambé de la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport, ce sont les paroissiens venus nombreux le vendredi 11 février 2022 assister à la conférence sur le thème « La foi en Jésus-Christ et la santé naturelle selon Sainte Hildegarde ». En effet, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la 30e journée des malades et de la célébration de Notre-Dame de Lourdes. Les fidèles catholiques sont venus approfondir leurs connaissances dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui pourrait se faire? Comment peut-on aider les gens à recouvrer la santé? Ça devient, ou c'est devenu pour nous, une question principale, une question fondamentale, dont on débat, dont on discute quand on se rencontre. Comment on peut aider les gens à recouvrer la guérison? À avoir et à maintenir une très bonne santé. Pour le conférencier, le père Francis Barbé du diocèse de San Pedro, être en parfaite harmonie avec soi-même est la meilleure des choses à faire. Nous tous ici, ou autour de nous, on connaît des gens qui ont fait l'expérience, qui se sont soignés à coups de millions et ça n'a pas marché. Donc la médecine, elle échoue. Elle n'a pas toutes les solutions aux problèmes de santé que nous avons, malheureusement. Mais ce qui est remarquable et qui étonne, c'est le développement rapide de ce qu'on appelle les maladies de civilisation, c'est-à-dire diabète, cancer, hypertension, voilà, tout ce que cirrhose de foie. On voit de plus en plus des gens qui meurent de ces maladies, même dans nos villages. Aujourd'hui, ce sont des maladies dont les gens ne mouraient pas dans les villages parce qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, ce sont des maladies qui se développent sur la face de la terre. Malheureusement, je dis, on n'a pas le temps de nous occuper de nous-mêmes. Quelquefois, ce qui nous donne la santé ou nous préserve la santé, on considère ça comme des choses qui ne nous intéressent pas. Nous ne prenons pas conscience du fait que nous sommes responsables de notre bonne santé. Frères et sœurs, ce qu'il faut retenir de cette expansion des maladies aujourd'hui, c'est que ça appelle à un changement chez chacun de nous de comportement, où chacun doit se sentir responsable de sa santé, peut-être de celle des autres. Voilà, nous sentir responsables, voyez, on peut rapprocher ça un peu de ce que j'appelais tout à l'heure la foi chrétienne. Être responsable, c'est dire que Dieu me confie à moi ma santé aussi, comme il me confie la santé des autres. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de mettre à mal ma bonne santé par des comportements désordonnés, par une façon de manger dont nous savons que cette façon de manger est dangereuse parce que nous mangeons des choses qui ne sont pas forcément bien pour notre santé. En se référant au thème, le père Francis Pouffini a prodigué des conseils tout en s'appuyant sur le livre de Sainte Hildegarde. Considérez les aliments comme des remèdes. Voilà. Faites attention à beaucoup de choses, au sel, au sucre, à tout ce qui est gras.
c'est important de considérer les aliments comme des remèdes. Il faut accorder du temps, un temps d'exercice physique pour combattre la perte d'efficacité liée au stress. Vous savez, aujourd'hui, on est stressé, les embouteillages, mais il faut trouver des moments pour déstresser, comme on dit. Je connais une personne qui dit toujours, quand vous la rencontrez, « Oh, mais vraiment, c'est pas possible, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Elle peut vous dire, « Oh, bon, j'ai un rendez-vous encore, il faut que je parte. » Donc, vous voyez, tout le temps, on dit, « J'ai pas le temps. » Et puis, c'est nous-mêmes, on enchaîne les rendez-vous, on enchaîne les rendez-vous. Et puis après, un jour, je lui ai dit, et puis un jour, et puis ça va finir. Voilà, tu n'auras plus le prochain rendez-vous. Il faut avoir donc, il faut avoir un équilibre entre le temps de travail et de repos. Il faut aussi nous purger des mauvais sucres dans le corps. Voilà, il faut apprendre justement à nous purger des mauvais sucres dans le corps. Quelquefois, on agresse le foie, on agresse notre corps. Des fois, l'alcool pour agresser le foie. Il faut faire attention. Elle dit qu'il faut trouver les moyens justement de nous purger de ces mauvais sucres qui circulent en nous et qui nous rendent malades. Et puis, elle nous invite à guérir notre âme pour avoir la force de nous protéger des vices, donc à recourir, en tout cas on peut le dire aujourd'hui, au sacrement de réconciliation pour les chrétiens. Voilà, pour que la grâce, la réconciliation nous donne de bien voir les choses et de bien nous orienter par rapport à notre vie. Déclaré docteur de l'Église en 2012 par Benoît XVI, Sainte Hildegarde de Bingen est inscrite en 2021 au calendrier des saints et sera fêtée le 17 septembre. Au Vatican, lors de la prière de l'Angélus tenue place Saint-Pierre, le pape François a invité les fidèles à approfondir leur relation aux béatitudes. Au cœur de la liturgie de ce dimanche 13 février 2022, en apparence paradoxale, elles sont en réalité la carte d'identité de toutes celles et ceux qui désirent suivre le Christ. Les béatitudes, en effet, définissent l'identité du disciple de Jésus. Elles peuvent sembler étranges, presque incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas disciples. Si nous nous demandons à quoi ressemble un disciple de Jésus, la réponse est précisément les béatitudes. La première béatitude qui est la base de toutes les autres, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous les pauvres, deux choses que Jésus dit de ses disciples, qu'ils sont bénis et pauvres. Qu'ils sont bénis parce qu'ils sont pauvres. Comment ? En ce sens que le disciple de Jésus ne trouve pas sa joie dans l'argent ou d'autres biens matériels, mais dans les dons qu'il reçoit chaque jour de Dieu. La vie, la création, les frères et sœurs, etc. Et les biens qu'il possède, il est heureux de les partager car il vit dans la logique de Dieu. Et quelle est la logique de Dieu ? La gratuité. Qui est la gratuité. Il discepolo a imparato a vivere nella gratuità. Cette pauvreté est aussi une attitude face au sens de la vie. Le disciple de Jésus ne pense pas posséder la vie, de tout connaître. Il sait qu'il doit apprendre chaque jour. C'est donc une personne humble, ouverte, libre de préjugés et de rigidité. Protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés vendredi dernier à Brest, en France, à mieux protéger les océans, indispensables à la régulation du climat et riches en biodiversité, mais mis à mal par les activités humaines. L'océan est en danger. Pollution, produits chimiques, déchets plastiques, surexploitation. En 2022, se tiendront plusieurs rendez-vous internationaux importants autour des océans. Le sommet de Brest et les engagements qui y seront pris vont permettre de consolider des actions utiles et un agenda international essentiel pour l'année 2022. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.